l'exécution va dans la ville de Consamba, une peine de mort contre un violeur et assassin. Le tribunal de première instance de Consamba a infligé une peine de mort à l'auteur du viol de deux fillettes. C'était en 2018. Les fillettes étaient âgées respectivement de 7 ans et 7 mois. En cette époque, Joël Tankoua est reconnu pour viol sur mineur et mort par fusillade et paiera une amende de 92 millions à la famille. Kyriane Tiana et Noël Mbianda, puisqu'il s'agit d'elle, avaient été arrachées à la vie dans la matinée du 10 mars 2018 après avoir été violées par voie anale par le cousin de leur père, le nommé Joël Tankoua, qui avait accompli ses sales besognes au domicile familial de ses enfants. Les parents s'étaient rendus à une veille funèbre, les laissant à la charge de Joël, n'imaginant pas que ces derniers deviendra le bourreau de leur famille. On est d'accord? Oui. Oui, on est d'accord. On a un sentiment de justice. De justice, je ne sais pas si on dit justice accomplie. Avec soulagé. Satisfaction. Voilà. À chaque fois, on a coutume de dire... Non, la justice, ça ne sert à rien de porter un problème devant les juridictions parce que rien ne sera fait, rien et tout. Et qu'aujourd'hui, on nous annonce que enfin les âmes de ces enfants, de ces petites filles reposeront en paix parce que celui par lequel elles ont trouvé la mort aura une sentence. Vraiment, il fallait le faire. Oui, je me rappelle de cette histoire. J'avais demandé qu'un type pareil, il doit être fusillé à la place publique. Oui. Il viole ses propres enfants. En fait, les enfants de son frère aîné. Ils ont deuil au quartier. Son frère vient livrer une marchandise à Douala. Il va à la maison familiale. Il trouve sa belle-sœur avec les enfants. On lui donne confie les belles sœurs parce que sa belle-sœur avait des engagements associatifs avec la femme qui vient de décéder. On dit, regarde, j'ai fait un tour là-bas parce que le règlement de notre association recommande la reste. Lorsque la femme rentre, il constate que voilà, c'est pas possible. Et le mari, il rentre de son voyage. Nous, on s'attendait, moi j'attendais à la justice ici. Je les apprécie. Ça veut dire qu'en fait, il y a des bons magistrats au Cameroun. Il y a des bons magistrats. Il faut le condamner à mort avec exécution à la place publique. Exécution parce que l'acte qu'il a commis, il les a assassinés. Et ce sont ses enfants. Ça veut dire qu'en fait, il laisse dans la famille le karma de mort tragique. Il laisse à la famille... Les trucs d'inceste. Donc, ce sont les enfants en image. Oui, ils laissent l'inceste. Ça veut dire qu'en fait. Ça veut dire que les enfants, même quand on dit qu'ils veulent. Non, les gens sont dans des gestes compliqués. Comme aime dire ma fille Dominique Audrey, un homme normalement constitué, vous avez un nourrisson de 7 mois. Comment vous pouvez vous sentir homme? Qui plus est votre fille. Il avait l'habitude de le faire. C'est non, sûr. C'est la seule nuit où il est passé quand on lui a dit que non. Oui, regarde, maintenant va honorer à ses cotisations là-bas et tout. Encore que la dame avait appelé son mari en disant que voilà, ton frère, elle a dit que ah, voilà, tu te plaignais maintenant, je vais livrer vite. Bon, confie-lui les enfants, va donner ta cotisation, tu fais un tour. Tout le monde sait que tu viens d'accoucher. Donc, on ne va pas te tenir rigueur pour faire toute la veillée. Comme il est là, profite-en. En attendant que j'arrive. Et voilà la situation. Et l'homme est appelé. Quand sa femme arrive, il appelle, dit que comme tu vois là, voici ce que ton frère vient de faire. Dit, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est cela. Donc, je veux comprendre si ça. Oui. Il se disait que c'était un crime parfait, donc il ne devait pas avoir de traces, personne ne devait connaître. Je plaide seulement que la cour d'appel du littoral consolide ça. Et peut-être ajoute même en disant exécution à la place publique. Et que la Cour suprême aussi vous sollicite. Et on exécute. Moi, apparemment, quand le Human Rights Watch viendra, on va dire que
et derrière dire à Human Rights Watch aller aux États-Unis, là-bas même on passe les gens à l'électrique, sur la chaise électrique. Donc il faut des sanctions comme ça. Et il faut des sanctions. Non, j'avoue que moi, perso, j'aurais voulu comprendre. T'as dit qu'il explique, parce que je sais pas. Rien n'explique. Il va expliquer. Il est dans une loge, comme ça, qu'on soit tous ceux qui sont dans la loge et qui ont l'habitude de le faire. Qu'ils disent là où c'est parti. Ça quoi, aussi, parce que il n'a même pas voulu accepter. Parce que tu laisses tes enfants à toi. Mais puisqu'il a tellement nié, il a fallu des faits pour le confondre devant les tribunaux. Parce qu'après ça, il a donné le somnifère aux enfants. Il a donné le somnifère. Vous imaginez un bébé de 7 mois. Moi, je connais quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, et la dame, il faut l'apprécier, parce que elle a alerté. Parce que le gars voulait s'échapper. Mm-hmm. Il voulait s'échapper. Elle a alerté le voisinage. Et comme ça qu'on le met aux arrêts. Et on le conduit au poste de police. Bon, parce que là, je suis. Oui, la particularité de l'affaire, c'est quand même la gravité des faits. Oui, la gravité. Ça y est, des enfants de. Comment est-ce qu'ils vont se reconstruire psychologiquement? Ça sera compliqué. Ils sont des filles. Ça veut dire que est-ce qu'elles pourront encore se. Elles sont décédées. Les enfants sont décédées. Oui, parlant des enfants, des enfants qui sont violés. Mmh. Comment les enfants peuvent. C'est trop compliqué parce que même quand on est adulte, c'est difficile à gérer. Peut-être que des bandits arrivent chez vous et vous violent. Puis encore, t'es des enfants, vous les perdez dans de telles conditions. Il y en a qui le font à des garçons. Donc, c'est d'abord, effectivement, les âges de ces enfants qui sont décédés en 2018. Oui. 5 mois et 7 ans, c'est triste. Certaines sources, effectivement, confirment la thèse selon laquelle il avait exécuté cela conformément à des pratiques qui ont cours des rites dans des cercles exotériques et ainsi de suite. Donc, tout cela reste à confirmer, mais des témoignages dans ce sens-là sont très nombreux constamment. Où c'est le tribunal de grande instance qui a rendu ce verdict il y a quelques jours. La procédure est encore pendante devant la cour d'appel du littoral, puisque les avocats du violeur, l'assassin en question, ont interjeté appel devant la cour d'appel du littoral. Donc, l'affaire n'est pas finie. On attend la décision finale de la cour d'appel. L'affaire n'ira plus à la cour suprême puisque l'affaire y était déjà. Donc c'est la cour d'appel du littoral qui va se prononcer finalement dans le fond. Bon, mais contrairement à ce que certains disent, il ne sera pas fusillé puisque le Cameroun est, malgré le fait que la peine de mort est encore dans le code pénal, le Cameroun est abolitionniste de fait, c'est-à-dire que malgré le fait que nous soyons encore sous le régime de la peine de mort, on exécute les gens sur la place publique. Il sera simplement maintenu en prison à vie. Tous les au cas où la peine est confirmée. De fait, les assassins de Mpondo, c'était hier en 79. On les a exécutés. La loi vous appelez Carrefour des Billes. Oui, ça date. Voilà. Ça date quand même. Oui, ça date. Mais on le fait plus. Oui. On le fait plus. Vous avez dit vous, de fait. Vous voulez qu'on retourne à cette époque un peu barbare? Bon, d'accord. Comme les États-Unis sont un État barbare. Et tu passes sur une chaise électrique. Mais, cher ami, la vie, c'est le symbole. Vous avez un assassin. Donc, d'accord, on va donc lui dire. Les violeurs ici ne veulent parler. C'est seulement il y a des choses, des situations donc, qui ne nécessitent plus simplement de plaidoyer. La dame a fait ce qu'il fallait faire. Horrifier ce jour-là, elle a metté la République, arrêté son beau qui aurait même pu la battre. C'est ça qu'il faut. Il faut donc le corriger. La famille va vivre comment? Disons même, il sera condamné, il est condamné à mort. Après, on va communier sans condamnation à vie. Après remise des peines à 20 ans, il viendra encore en famille dire, mais voilà. Non, ce genre d'individu doit disparaître et faire des rituels pour que... Il faut faire des rituels pour que même son âme et son esprit soient réduits. Sur les plans supérieurs, ce qu'on vous appelle les noumènes, il doit disparaître. Et nous avons cette possibilité de faire disparaître des assassins. C'est-à-dire qu'il ne pourra même plus se réincarner. Je partage la douleur et la peine de cette famille et de la société tout entière. Vous comprenez mon ménage ? Personne ne peut admettre une telle violence qui plus est sur des âmes innocentes et sensibles, fragiles, sans défense, comme et en plus, l'avant, ses propres enfants.
C'est-à-dire que si son frère mourait, son frère aîné mourait, il ne peut pas prendre ses enfants de scolarité. Ça veut dire qu'en fait, voilà, monsieur qui dit ce que papa a même fait là, et pourquoi il nous a même accouchés. Il faut que je vous assassine, je reste seul. Mais quand ce sera, remis en fin de compte de nos émotions. C'est pas les émotions. Non, non, il y a de l'émotion. Non. Lorsqu'on commence la situation, forcément, quand un enfant disparaît dans des circonstances comme celle-là, forcément, on en parle avec beaucoup d'émotions. C'est l'analyse froide. Non, c'est l'analyse froide. Maintenant, l'intelligence des situations recommande qu'on est froid. Vous avez un lion devant vous, vous n'avez pas dit que non, c'est l'hyène. Bon, on peut... c'est un lion. Sur le long terme, Isabelle, je pense qu'il faudra travailler sur les causes et donc sur les conséquences. Parce que si... Moi, j'aurais voulu qu'il explique, qu'il dise d'abord... Il nie. Bon, ok, bon. Il a fini d'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Non, je dis... Quand on l'écoute, quand il donne les raisons pour lesquelles il l'a fait, c'est pas par rapport à la sanction qui sera infligée, c'est-à-dire par lui. Oui. Oui, mais c'est pour comprendre. C'est pour éviter, anticiper qu'il n'y ait pas d'autres dérapages. Donc, je dis, au lieu que nous traitions les causes, les conséquences, pardon, il faut traiter les causes. Oui. Ça dit que qu'est-ce qui amène un jeune à intégrer les cercles bizarres, j'évite de nommer ces cercles, qui, le contraire, ou qui l'amène à pénétrer un enfant de 5 mois, de 7 ans. Voilà. Voilà. Donc, sur le long terme, qu'est-ce qui amène un jeune à penser dans l'environnement qui est le nôtre, qu'il faut aller avec un homme avec un autre homme, qu'il est possible d'envisager cette les réseaux sociaux, il faut sanctionner. Pour attaquer le problème à la racine, la réponse est connue. Il faudra trouver laisser chacun avec son obédience religieuse. Laisser chacun. Au Canada actuellement. Il faut avoir leur pratique, il y a le satanisme aux États-Unis, non? Ouais. Aujourd'hui en Occident, plus encore au Canada et aux États-Unis, l'enfant de 4 ans à l'école maternelle, on commence à lui apprendre que tu peux changer de sexe. Comme vous êtes des filles là, vous pouvez devenir des garçons si vous voulez. Vous pouvez telle chose. Bon, quand une société va de dégradation en dégradation, parce que c'est la même chose qui s'est passée avec ce que vous dites là. Lorsque les obédiences religieuses ont commencé à naître, on a commencé doucement à voir des plages où on marche nu, à voir où on fait ci, on fait ça. On a dit, laissez chacun avec son obédience, avec sa foi. Ça s'est propagé. C'est ça, donc, on a construit l'absurdité. Et c'est pour cette raison que les sociétés doivent avoir leur imaginaire collectif en disant telle chose n'entre pas chez nous. Mais vous allez donc faire comment avec l'interdépendance des civilisations, tout ce que vous voulez. Bon, c'est pour ça que donc, je dis il faut attaquer le problème à la racine. À la racine, ça veut dire qu'on va demander à ces secteurs-là de ne plus exister. D'accord. Attaquer à ces secteurs-là. Ah. Parce que quand vous aurez fini demandez de fusiller, donc à l'ONU, monsieur Tarkoa. Est-ce que c'est ce qu'elle avance à arrêter? Du tout. Non, du tout. Donc, il faut travailler sur les causes profondes de la prolifération de ces secteurs. Ah, ça veut dire qu'il faut réformer. Travailler sur la pauvreté, travailler sur ceux qui arrivent à la tête de nos États et qui parfois sont ceux qui entretiennent ces secteurs. Il faut donc dissoudre l'Organisation des Nations Unies ou la réformer. Je crois que tout a à refaire et on devrait travailler sur les mentalités. Parce que tout part des mentalités, tout part de l'environnement dans lequel chacun aujourd'hui évolue. Il y a désormais des bons pasteurs, bons pasteurs, des églises qui, vraiment, excusez-moi, des personnes qui deviennent de plus en plus. Non, on te dit que c'est ta maman qui est, si tu veux être vraiment ta maman, la convainc ta maman pour aller avec elle. Oui. Voilà. Donc je crois que c'est la société qui a simplement perdu ses repères et qui plonge quelques personnes dans ce genre de dérapage catastrophique, parce que là, c'est une décision qui est pratiquement. Même Dieu tué dans la Bible de Dominique Audrey. Dieu a tué 2 millions de personnes pour cela. Il tuait. Satan n'a tué que 10 personnes. Donc Dieu lui-même, la preuve, même quand Jésus allait là, il a refusé de pardonner un brigand. Donc tuons.
les gens qui sont en dehors de la société. Vous n'allez pas heurter ce matin. Dieu lui-même a tué. Non, qui ont leur appartenance. Je crois qu'il faut. Respecter les appartenances religieuses des uns des autres. Moi, je n'ai rien contre. Pas respecter ses appartenances religieuses, mais je dis. Est-ce que j'ai exécuter les gens sur la place publique pour attaquer le problème, ce n'est pas. C'est attaquer les conséquences du problème et non les causes. Le problème, lui, va persister. Parce que la peine de mort, on en prononce au tribunal militaire à Yaoundé à peu près chaque année, ainsi de suite. Mais ce n'est pas exécuté. Il faut travailler sur les causes profondes de ce type de phénomène et non sur les conséquences. On ne doit plus interner les détourneurs de fonds publics. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mm-hmm. Qu'est-ce qui amène les gens à détourner? C'est un signal fort qu'on va envoyer aux personnes qui violent, qui ont pour activité de violer. Oui, mais il faut toujours comprendre les raisons pour lesquelles... Voilà, oui. Même si sans que ce soit une excuse, hein, je ne dis pas que ce monsieur a une raison de le faire. Non, et on n'a même plus arrêté ces bandits. Vous allez chercher à savoir où ils sont entrés par où. Oui, si c'est par le tour, vous allez refaire le tour. Quand on le prostitue, donc, il fait quoi? Un monsieur pareil, on le castre d'abord. Il y a des chirurgiens ici, non? Il n'y a plus de chirurgiens au Cameroun. On le castre pour que ce qu'on appelle la envie sexuelle, qui n'est plus, avant même d'arriver à l'exécution. D'accord, l'autre sujet, Pamela. L'autre sujet, c'est ici même à Douala, où les éléments de la police judiciaire pour le littoral ont démantelé un réseau de falsification de documents administratifs. Les deux présumés faussaires ont été attrapés en flagrant délit. La copie de plusieurs administrations au Cameroun des différentes catégories ont été démantelées. Sur la table, on a observé 92 cachets et 50 souches de divers services. Les autorités administratives prêtes à l'utilisation, que ce soit l'administrateur principal, officier ou commissaire de police, ainsi que des magistrats. Matériel est destiné à la falsification de différents documents. Ces 92 cachets ont été retrouvés entre les mains de deux individus. Ces fossés ont été interpellés par la police judiciaire du littoral qui a pu retrouver une trace ou alors un réseau de récépissés de cartes nationales d'identité ne portant pas les indices que seuls les fonctionnaires de ce corps peuvent identifier. Ça revient à ce que moi, par exemple, je disais tout à l'heure, il faut résoudre le problème à la base. Donner les cartes d'identité comme on est. Absolument. Voilà notre problème. Nous sommes dans l'industrie du faux. Hein. Oui. Mais là, le faux, il est partout. On a l'impression que toute la société qu'on est dans laquelle on est, finalement, on va se retrouver. C'est pas l'impression. Dit que nous sommes dans une société pourrie. Oui. Et c'est de dire que ce n'est pas excessif. Même Donald Brice, qui semble être religieux plus que Jésus, ce n'est pas excessif. Non, du tout. Non, c'est l'industrie du faux, hein, Isabelle. Voilà. Les faux titres fonciers, on en trouve. Et une fois de plus, avec la complicité de ceux qui sont censés lutter contre ce type de phénomène, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Pour avoir un faux titre foncier, il faut avoir un cachet quelque part. Il faut pouvoir être complice d'un responsable du cadastre, ainsi de suite. Donc ça, parfois, lorsque ça tourne mal, c'est là où on présente ce type de quelques spécimens, quelques acteurs de cette... Mais le réseau à lui-même, il est sur place, il est en place. Ces réseaux-là, parfois, prolifèrent autour même parfois des administrations publiques concernées. Donc, et ça apporte à la fin du mois quelques billets de francs CFA à tel ou tel responsable. Je pense en 2017-2018, oui, le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral avait démantelé un réseau pareil à la place portuaire où les gens avaient même le cachet du président de la République. Et il avait saisi ces documents. Lui, comme auxiliaire de justice, c'est-à-dire qu'il est officier de police judiciaire, le dossier a été noyé dans le voirie. Voilà que le même, maintenant c'est la police judiciaire qui démantèle. Or, lorsque la gendarmerie, ce n'est pas une brigade de gendarmerie. C'est la Légion. Je vous parle même de la Légion de gendarmerie. Donc, ce qui est considéré comme le gouverneur de la gendarmerie dans le littoral démantèle et on ne fait rien. Aujourd'hui, c'est le gouverneur de la région de la police qui démantèle. On ne fait rien. C'est quand même embêtant. C'est embêtant. Ça nous renvoie à une société. C'est pour ça qu'on vous a dit, c'est un système
Et ce système se reproduit. Et le système du faux qui a été institué au Cameroun dans les années 50, c'est ça qui doit être balayé. Parce que ça construit un imaginaire qui est devenu spirituel. Dis vous, tu veux faire bien, dis donc, toi tu veux montrer quoi? Ah, dis donc, ça fait carreau. Toi, tu penses que tu es blanc comme Nelly, dis donc. Tu vas faire ton Cameroun seul. Ouais, mais tu demandes, mais attends, je veux, mais pourquoi les gens me perdent? Même quand tu dis au Gabon, moi fais-moi ça, tu dis non, non, toi aussi tu attends, comme tu veux montrer là que tu sais bien faire. J'ai vécu, nous avons vécu ça avec le policier qu'on appelle Amout. Oui. Quand vous interpellez, dites, mais il veut dire qu'il fait bien le travail, non, qu'il fasse. De côté, il est bloqué, non. Bon, vous voyez leurs collègues qui viennent de bien travailler. Non, non, il observe. On l'observe. Il a dit que c'est lui qui dit qu'il travaille bien. Vous voyez, donc ici, est-ce que les magistrats qui ont le pouvoir peuvent maintenant frapper du poing sur la table en disant non, non, plus jamais ça? C'est pas sûr. Voilà. Donc le procureur général fait la cour d'appel du littoral, doit saisir le dossier et dit proposer des sanctions. Mais si le réseau est très puissant, mais il ne fera rien. Justement, Dominique, c'est une longue chaîne. Quand on arrive à ce stade-ci, faux documents, faux cachets, tout qui soit faux, qui soit bien confectionné. Et en plus, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir même 20 ans, vous ne saurez pas que le fond est faux. Franchement, c'est-à-dire que ça, c'est tellement comme clair, l'usager qui avait la carte c'est tellement là. Correct. Vous-même, vous êtes persuadé que c'est le bon. Vous doutez même de votre propre carte nationale ou alors de ce que vous avez qui soit non correct aussi. Oui, à ce moment-là. Telle ingéniosité, une telle énergie qu'on déploie à faire ça, de l'argent également qu'on met, du matériel qu'on achète pour produire. Ce sont des entreprises. Malheureusement, la plupart des citoyens baissent la garde parce que si c'est en termes de titre foncier, par exemple, ils vont dire non, je connais Donald là-bas, il travaille souvent au CADAS, je vais essayer de voir avec lui dans quelle mesure je peux faire la procédure pour titrer mon terrain. Et maintenant, Donald a son deuxième couloir où il va gérer ça. En ce qui concerne, par exemple, les CNI, et on vous a présenté les récépissés, c'est pareil. Je crois que d'une certaine façon, c'est le citoyen qui nourrit cela. Quand vous voulez aller dans une administration sous-préfecture, qui nourrit cela n'ayant pas le choix. Non, il y a le choix. Il n'y en a pas. Pour le titre foncier. Pour les cartes d'identité dont il s'agit, ils sont partis d'un commissariat dont je ne tais le nom ici. Parce que quand vous arrivez dans le. Donc le gars, vous venez au commissariat, on vous enregistre, etc. Or, là, ça sort. Non. Ça sort du circuit normal, je veux dire oui. Sans numéro ? Mais je vous dis oui. À ce moment, parce que oui, c'est autre chose. 2800 qu'on demande, on a dit donne 4000 une fois. Tu donnes, ça sort du circuit normal. Justement. Et ça se retrouve dans. Il en est de même de titre foncier. Oui. Vous avez quelqu'un, il travaille effectivement au cadastre. C'est là où on monte le réseau. C'est pour cette raison qu'on est venu avec les. Comment vous appelez ça? Les cachettes timbrées. Parce que lorsque le ministre Abba est arrivé aux impôts, des impôts, il y avait un vaste réseau de faux timbres fiscaux qui étaient, dans les enquêtes, ont fait ressortir des agents même, le système, et qu'ils avaient des imprimeries appropriées. Vous savez que j'ai... Donc vous vous laissez votre document, vous attendez la quittance. Oui. Donc vous allez au même bureau des impôts ou du trésor, on vous remet la quittance. Alors que la quittance n'est pas dans le fichier normal. Voilà. Moi, je crois ce que... n'est pas comme si quelqu'un veut faire un faux diplôme, il va dans le jeu pour faire un faux. Mais je dis, vous venez en tant que citoyen normal. Je crois que ce système persiste en partie parce qu'il y a des gens qui consciemment choisissent de prendre cette voie. Ils voient quelqu'un en disant, voilà, je ne veux pas payer, par exemple, les impôts, fais-moi un faux truc là rapidement, je te donne ça. Et après, quand on va passer contrôler, on aura l'impression que la personne a payé. Donc, consciemment, il y a des gens qui savent qu'ils utilisent des faux documents pour fonctionner en société. Je disais que quand vous allez dans des sous-préfectures, les mairies, les préfectures, parfois pour avoir des signatures, il y a des gens à côté, en dehors. C'est généralement, on a du mal à entrer. On se confie à ces gens. Ils vous fassent la signature. Ça existe. Voilà, c'est pour ça que je dis
que dans la signature express qui est vraie, il y a la fausse signature également. Donc, d'une certaine façon, on nourrit et on entretient cela. Donc, d'une part, vous ne pensez pas que c'est... On est dans une société qui ne leur a pas donné de choix. On a toujours le choix. On a toujours. Non. Parce que si vous dites que des gens qui font le faux n'ont pas de choix, ça veut dire qu'on pourra dire que le violeur... Parce que non, vous dites que ça existe à cause des citoyens qui optent pour ce chemin. Je n'ai pas dit à cause. Je dis ça persiste. Ça persiste parce que, d'une certaine façon, le citoyen continue d'utiliser cette voie. Quand vous allez, par exemple, je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui ont les faux récépissés sont allées dans des commissariats. Si vous allez voir quelqu'un au quartier qui vous dit « je te fabrique un récépissé pour qu'on ne te dérange plus en route », vous pensez que ce qui entretient ça, qui nourrit ça? S'il a un frais qui a fait la carte dentée depuis 3 ans. Bon, ok, vous avez fait depuis 3 ans, vous allez faire le faux alors. Donc, ces réseaux existent, c'est vrai, mais ce n'est pas le plus élaboré. Il y a des citoyens, comme vous dites, avec raison d'ailleurs, oui. Ça existe. Ce n'est pas ça qui fait perpétuer. Qu'est-ce qui peut amener qu'un colonel, commandant de la Légion de gendarmerie, démantèle le faux et que le dossier soit pris sans suite? Là, c'est hors de ma portée. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que ça existe, ce que vous dites. Mais le point culminant, c'est que dans l'administration publique, il y a des gens qui ont organisé les réseaux. Vous venez au guichet normal, on vous dit, ah maman, tu as vu comment c'est plaqué, non? S'il te plaît, viens lundi, maman, on ne va pas te sceller d'ici lundi, donc ta quittance va partir. Tu viens lundi 8h, 8h30, il te remet la quittance, qui est une fausse quittance. C'est comme ça que Mme Kouma Bessiké a fait pour dire qu'il y a 12 000 faux titres foncés dans le Vouri. C'est-à-dire que personne ne pourrait se réjouir d'avoir un titre foncé à moins qu'il soit faux. C'est-à-dire qu'on prend le titre foncé, on a l'impression que c'est ça, c'est correct, c'est bon. Et c'est quand il y a une situation qui arrive, qui survient, qu'on se rend compte qu'en fait, on a été... Il faudrait que les personnes qui ont les faux récépissés fassent très attention. Parce que lorsque vous tomberez sur une personne... Il va faire comment pour savoir? Non. Il va faire comment? J'ai dit de faire attention. Je n'ai pas dit d'éviter. J'ai dit de faire attention, d'être vigilant. Parce que quand vous tomberez sur un policier qui va essayer de vous identifier et qui va se rendre compte que vous avez un faux document, vous aurez des problèmes. Et après, bonjour Facebook. D'accord. L'autre sujet pour sortir... Tout à fait, Isabelle Carole. Dernier sujet pour sortir de cette revue des réseaux sociaux. On va du côté de Massy Mbopi où un incendie a ravagé plus d'une boutique. C'était hier en fin de soirée où un incendie a été signalé de ce côté-là. Selon les commerçants victimes de cet incendie, les flammes n'étaient pas remarquées alors que ces commerçants ferment leur boutique. Et les efforts consentis pour éteindre les flammes n'ont malheureusement pas abouti. Les causes restent inconnues, mais on note également que la énième fois que ce marché Mbopi s'enflamme. Les experts ont longtemps évoqué l'absence de bouches d'incendie sur les marchés camerounais, la mauvaise connexion électrique qui rend difficile l'accès aux sapeurs-pompiers pour éteindre de telles flammes. Et quand vous arrivez au marché Mbopi, bon, mais je ne sais pas si vous côtoyez cet espace marchand. Il y a fait 2 ans, j'ai décidé de ne plus y aller. Ah, voilà. La façon avec la quantité de fils que vous voyez là-bas, parfois le même peu pour les commerçants. Tout à fait. Les fils, vous voyez seulement les câbles passer, ça passe par là, vous ne comprenez pas. Vous voyez seulement la lumière. Il te dit, maman, c'est seulement ce que tu as acheté, tu pars. Mais vous êtes toujours sans voix de la façon avec laquelle vraiment ces câbles. Les sapeurs-pompiers ont dit depuis longtemps que les bouches d'incendie sont même... Il y en a qui ont construit sur les bouches d'incendie. Donc, quand il y a eux-mêmes, ils ont leurs citernes qu'ils ont amené là. Les bouches, ils ont construit les boutiques sur les bouches d'incendie. Ça bloque ça. Donc, en fait, ce n'est même pas passé exigu parce qu'il n'y a pas de bouches d'incendie. C'est le plus grand marché de grossistes de l'Afrique centrale. Mais on n'a pas voulu le délocaliser pour reconstruire. On a laissé ces constructions anarchiques.
cette manière-là, c'est triste. Le propriétaire de la boutique doit être franchement dépité. Mais Dominique Audrey, finalement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on délocalise aussi ce marché à la fin? Parce que l'espace dont on parle là est extrêmement étroit. C'est-à-dire que les gens étouffent. Au moins, ça ne suffit même plus. Parfois, vous voyez une petite boutique, quelqu'un prend, c'est juste pour... c'est juste comme un pesantoir. Mm-hmm. Pour mettre les marchandises, les essentiels, ce qu'il a. Mais c'est quand tu veux un truc qui te dit, non, donne-moi 2 minutes. Il va maintenant au magasin. Prendre ce qu'il a à te donner, ça veut dire, oui, prendre ce qu'il a à te donner pour apporter, ça veut dire qu'il y a un problème d'espace, il y a un problème de surpopulation, que ce soit avec les clients de ce côté, ça ne tient plus du tout. Ces gens ont besoin de boutiques. Bon, maintenant, même s'il faut les renvoyer dans un autre espace, ça posera aussi un autre problème. Est-ce que l'espace sera aménagé convenablement? Est-ce que là-bas, il y aura un accès facile? Est-ce qu'il y aura une clientèle qui soit élevée, peut-être comme c'est le cas à l'heure actuelle? Il y aura même trois listes. On pourra travailler ça. On peut capitaliser sur cet espace en délocalisant provisoirement les commerçants. On les installe quelque part et on vient reconstruire. Parce que dans les airs, il y a encore les espaces. On peut faire des marchés à 4 étages. Je veux dire que tous les bâtiments qui sont là, on peut faire 3 niveaux au-dessus et avoir des boutiques qui ressemblent à quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé, Donald a parlé de vision. Les personnes qui ont construit ce marché n'ont pas prévu que des années après, il y aurait des gens qui afflueraient à cet endroit-là. Donc, on s'est cantonné à rester dans cet espace avec la petite contenance qu'elle avait à cette époque. Je ne sais pas en quelle année on a fait ce marché, mais aujourd'hui, ça a décuplé quasiment. Donc, les responsables pourraient travailler à agrandir le marché par le dessus et délocaliser provisoirement les commerçants. Auquel cas, ce n'est pas le dernier incendie. D'accord, merci à vous. Dominique Audrey, on va aller saluer Constilamine de l'autre côté qui nous parle ce matin de Sourepco et de ce qu'on pourra donc retrouver de ce côté-là. On va dire bonjour Constilamine. Oui, bonjour. Il y a l'incendie qui se produit tout de suite en Bobila. Oui. Profitons de ce férié d'aujourd'hui pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs qu'à partir de lundi, j'ai dit bien à partir de lundi, il sera exactement 7h30, rendez-vous dans n'importe quel magasin Sourepco, vous allez bénéficier des prix les plus bas. Oui, pour ceux qui me regardent en ce moment, vous avez besoin d'un groupe électrogène, vous avez besoin des sanitaires, du matériel de plombier, vous avez besoin bien entendu de tout ce qu'il y a comme matelas, carrosserie. Rendez-vous dès lundi, parce qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera la grande prévue des prix dans les magasins Sourepco, raison pour laquelle nous avons choisi ce vendredi férié pour attirer l'attention de tous ceux qui sont à la maison. Vous êtes très nombreux parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas boulot. C'est un férié, on se repose à la maison. Et bien sûr, pour accompagner son repos, on a besoin d'une émission relaxante. On a besoin d'une émission de détente. On a besoin de regarder 10-12 de Zénith et surtout l'instant du concept Salaka. Donc tout de suite, bien entendu... Voilà, nous allons bien entendu tout de suite attirer l'attention de tous nos téléspectateurs d'aller dans le magasin Sourepco, d'aller dans les magasins Sourepco. Alors n'hésitez surtout pas, les numéros que vous les avez, ça ne touche pas de l'écran, relevez-les et passez déjà vos commandes. Donc pour tout achat d'un matériel de plomberie, vous bénéficiez gratuitement d'un manteau complet. Je dis bien pour tout achat matériel de plomberie, vous recevez gratuitement un ensemble de manteaux grand modèle. Les groupes électrogènes sont également en promotion de la magasin Sourepco. Achetez un groupe électrogène, quelle que soit la puissance, recevez gratuitement un ensemble de manteaux grand modèle dans les magasins Sourepco. Je rappelle que les prix sont tellement bas, les remises sont énormes. Il y a également les luminaires, les lustres, l'éclairage, tous ces articles-là, vous les retrouverez dans les magasins Sourepco de lundi à samedi. À partir de ce lundi, chers téléspectateurs, une date à retenir, lundi 22 mai 2023, c'est le grand frère de la promotion dans tous les magasins Sourepco, du côté de Bonabéry, du côté de Yaoundé, du côté de Mafoussam, du côté de Tchang, du côté de Garoua, du côté de Douala. Tenez-vous tranquille, chers téléspectateurs, jusqu'à la fin du mois de mai, il y a vraiment du pop au Wanafoul dans les magasins Sourepco. Il y a vraiment du pop au Hélélé dans les magasins Sourepco. Les groupes électrogènes, les régulateurs de tension, les luminaires, les jeux de lumière, quel que soit ce dont on a besoin, allez dans les magasins Sourepco.
mais est-ce qu'il faudrait retenir que chaque achat dans les magasins, que ce soit les coupes électrogènes, les lustres, l'éclairage, les câbles électriques, vous recevez gratuitement un manteau grand modèle qu'on vous donne dans les magasins sur Saint-Denis, bien sûr à l'écran. Achetez et recevez gratuitement un manteau grand modèle dans les magasins sur l'écran. Et je vais également attirer l'attention de tous les revendeurs. Vous êtes très nombreux à nous regarder dans les villages, dans les villes retirées, dans les quartiers les plus retirés. Vous avez un magasin, vous avez une boutique, vous êtes un revendeur, vous recherchez où se ravitailler. Alors rendez-vous dans les magasins Sureco. Pour ceux qui ont besoin des carreaux, des ciments colle, quel que soit ce dont vous avez besoin, allez dans les magasins Sureco et bénéficiez des prix les plus bas. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent au 690-31-69-20, le 690-18-20-34-48 et bénéficiez des prix les plus bas dans les magasins Sureco. Merci à vous, Constellamine. Les messages à présent avec Pamela Fomen pour savoir ce qu'ils nous disent, nos amis téléspectateurs ce matin. Alors, Pascaline qui nous envoie le message ce matin, il faut appliquer la peine de mort à tous ces violeurs. Pour moi, c'est non négociable. Cela aura un impact puissant sur les autres violeurs. Chacun réfléchira par deux fois avant de commettre ce genre d'acte. Vivement que la justice soit rendue dans ce pays. En ce qui concerne l'affaire de Consamba, je suis ravie. Je croyais que c'était un dossier classé. Nous sommes en 2018 et là, on revient avec l'affaire en 2023 pour montrer une progression. Courage à la justice camerounaise, que ce monsieur soit véritablement condamné. En ce qui concerne l'histoire de ce matin, cette femme est follement amoureuse de son beau-frère. Pour moi, ça ne passe pas du tout et elle ferait mieux d'expliquer la situation à son mari. Non, on ne parle pas de ces choses-là. En famille, on ne parle pas. On triche. Quand on triche, on ne dévoile pas la tricherie. C'est comme légitimer l'adultère. Hein? Non. Non, il avait, je crois que la seule faute, c'est que le frère, c'est un frère aîné. C'est un pompier, justement dans l'éducation. Bon, elle reste dans ce ménage où elle va, bon, Bégal. Elle reste dans son ménage. Et elle arrête la relation. Oui, elle arrête la relation. Elle reste, elle arrête la relation. Elle peut plus arrêter. Elle regarde son beau. Comment elle peut arrêter? Elle peut arrêter. Mais si quelque chose commence à ne pas se terminer. Non. Donc c'est jusqu'à la mort, parce que c'est le beau frère. La façon dont elle parle de son beau frère. Le problème, c'est qu'elle a perdu. Elle a dit, elle a donné des raisons. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas les ingrédients qu'elle peut donner dans la soupe pour que son mari reprenne la virilité. Il faut que soit disposé à prendre. Donc, il faut que la femme soit disposée à prendre en disant... Il faut que le mari aussi ne soit pas grippé. Il y a les hommes qui sont grippés aussi. Non, non, tu ne seras pas... En fait, c'est le condiment, c'est pas de... Non, il y a les hommes qui sont grippés. Non, ce n'est pas là le problème. Toi, quand vous faites ça avec le camdic, avec le tibu, les chéris, voilà. Par exemple, il y a une quantité de champignons qui poussent sur les troncs d'arbres là. Oui. On le fait avec le macabo rouge, un peu de faca, tu fais là. Mm-hmm. Et tu rappelles l'ancienne main de maman ou de bombo à ton mari. Est-ce que ta grand-mère te préparait ça souvent? Tu me dis que moi j'aime le piment. Puisque c'est ce condiment-là, hein, la saveur de piment ou de poivre, tu mets ça, vous mangez à deux. Ça augmente la libido et ça résiste. Ça participe à la résistance. Donc, l'homme, et surtout avec les champignons là qui poussent sur les troncs d'arbres. D'accord. C'est des méthodes que vous ne savez pas. Moi, c'est Davina depuis village. En ce qui concerne la colère de ce matin, le Cameroun est et a toujours été un pays en arrière sur tous les aspects du développement, que ce soit en rural ou autre chose. Mais quand il s'agit de la corruption, le Cameroun est en avant. Nous sommes vraiment dans un pays très pathétique. Non. Les deux pays qui sont leaders du palmier à huile aujourd'hui, la Malaisie et l'Indonésie, sont venus apprendre le palmier à huile au Cameroun en 1974 à 1975. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas dernier tous les jours, comme vous l'avez dit. Il y a un moment où les dirigeants du pays ont décidé de plomber le développement du pays.
Je vis la même situation que cette femme. Je lui dirais ce matin de laisser tomber cette relation. Pour mon cas, je suis allée jusqu'à tomber enceinte du frère de mon mari. Malheureusement, j'ai dû perdre l'enfant. Ouais, c'est triste. Pour c'est l'enfant. Triste, voilà. Ça, c'est le malheur que vous cherchez. C'est triste ou c'est une bonne nouvelle à la fin? Non. Je sais pas. C'est triste pour l'enfant. Elle dit qu'elle a perdu son enfant. Bébé. Oui, je veux comprendre. C'est triste pour l'enfant, c'est pas triste pour elle. Non, c'est triste pour la perte de la vie humaine. Vraiment, le reste n'a pas d'importance. Justement, si c'était un enfant avec quelqu'un hors de la famille qui aurait vécu, cet enfant allait être comment? Il allait considérer les autres comme les frères et sœurs. Et le vrai géniteur allait être qui? L'enfant aurait survécu. Non, il allait tout ce qu'il est jusqu'à présent. Ah, justement. Jusqu'au moment de la conception. Quand l'enfant va donc grandir, il va épouser le frère ou la sœur de son géniteur, son vrai géniteur. Et là, les enfants vont commencer à mourir par des liens génétiques. Et on va dire la sorcellerie. Mais s'il allait jusqu'à avoir un... Bon, en tout cas, mais ça veut dire que... Bon, juste l'enfant... Aller jusqu'à avoir un enfant veut dire avoir eu des rapports sexuels non protégés. Ça explique le niveau de confiance qui... Protégé ou pas protégé, on peut le pardonner, on tolère. D'accord. Bon, elle ne nous dit pas si son mari était au courant. Si non, lui, non, c'est comment pas il a dit. Non, elle n'a pas dit. Non, ne dis pas. Les choses, on ne les dévoile pas. Oui, elle n'a pas dit au mari. Elle est tombée enceinte et elle a perdu le bébé. Voilà. On ne les dévoile pas. Pamela. Alors, j'ai ma voisine ici à Bafoussam qui vit la même situation. Je suis au courant, mais je n'ose pas dire à son mari. Je vois très régulièrement son beau-frère venir ici chez elle à l'absence de son mari. J'ai l'impression, je suis même persuadée qu'ils entretiennent une relation intime. Si ton problème, c'est où? Laisse-les. Vous les avez vus en train de se toucher. Même si vous les avez vus. Mais vous avez besoin de quoi? Deux personnes qui s'aiment, Dominique Audrey, c'est le voisin. Non. Il a une lecture. Comment vous pouvez dire non? Non. Non, attendez. Elle a ouvert les yeux comment dans la famille de. Donc le voisin se trompe. Ça, on ne peut pas. Est-ce que le voisin a vu... Le voisin se trompe. Ne m'acculez pas. Est-ce que le voisin a vu un geste déplacé? Mais si... Je ne laisse croire que c'est de ça qu'il s'agit. Laisse croire. On ne peut pas savoir. Il ne laisse pas croire. C'est ça, il exactement. Il dit son voisin, le frère de son mari vient chaque fois que son mari n'est pas là. C'est la même situation. Attendez, la même situation signifie quoi? Quand vous dites même situation, il est monté sur la... Il a vu le frère monter sur oui, la... Oui, Dominique oui, Audrey. Même si elle les avait surpris, son problème c'est où? Oui. Disons même qu'elle les a surpris. Bouge dans la vie des gens. L'un sur l'autre, son problème c'est où? C'est tu la fermes, madame. C'est une relation bizarre. C'est un problème, on n'en parle pas. Tu d'accord, la fermes. Mais il est le voisin, bon, il y a des gens, il a du mal parce que quand le mari de la dame prend le soin, il dit allô, car vous prendre une bière. Il a du mal à aller boire comme un poison. La femme de ton frère, c'est ta femme. C'est ta femme. Oui. Parce qu'on va dire allons partager un moment, ou venez vous partager un. Il est étouffé. Il est étouffé, elle veut dire quoi? C'est pas sa famille. C'est le voisin, bon, maintenant. Et vous ne savez pas les rapports qu'il entretient avec le mari de la dame. Moi, j'ai dit, c'est pas son problème. C'est pas elle qui allait doter la femme là. Il faut qu'il ait une. C'est quoi le problème? Il faut qu'il ait une. Le mari de ton. De ta voisine. Non, c'est n'a pas. L'homme va chez sa femme. C'est la femme de son frère, c'est sa femme. Bon. Vous allez faire. Vous envoyez les femmes au quartier. L'inceste. À commencer à regarder les frères de leur mari. C'est pas l'inceste. D'accord. Les hommes sont des internels insatisfaits. Je pense que c'est à la jeune femme de pouvoir réguler cela. Si elle n'a pas fait, elle a toujours été intéressée par son beau-frère, même avant d'avoir épousé son mari. Non, et s'il ne se connaissait pas. Là, il y a des déclics. Il y a donc des gens qui n'ont pas d'expérience. Pascaline, ma chérie, il faut sortir de cette relation. Ce monsieur n'est pas fait pour toi, pour l'honneur et le respect de ton mari. Sors rapidement de cette relation. Alors, je vis la même situation que la dame. Je n'ose pas vous expliquer ce que je vis. Je suis vraiment très faible lorsque je vois mon mari avec son frère. J'ai toujours envie de bondir sur son frère que j'aime tellement que mon mari. J'ai expliqué la situation à une de mes belles-sœurs qui aujourd'hui me menace de dire la vérité à mon mari. J'avoue que s'il y avait un choix à faire, je devais choisir mon beau-frère, contrairement à mon mari.
mari. L'erreur ici, justement, c'est ça. C'est ça l'école du mariage, parce que ni l'un ni l'autre n'ont fait l'école du mariage. On n'en parle pas, à la limite, à ta belle-mère. Non, avant d'arriver au fait qu'on en parle, on n'en parle pas. Bon, Bengane. Vous avez épousé un homme, maintenant vous tombez amoureuse de son frère. C'est quoi le projet? Non. On dit, c'est pas. Le jour où le jour où le mari lui sera au courant. On n'encourage pas ça. Mais on sait que ça peut arriver. D'accord. Mais et quand ça arrive, on fait comment? D'accord. Donald Brice, vraiment, c'est pas. Est-ce qu'on dira, disons, mais qu'il faut. C'est frère de son. Oui, créer une sorte de distance, permettez, entre le frère et la femme. Et la femme. Parce qu'il y en a qui laissent. Non, mon petit frère est chez moi, il est venu pour un week-end. Et il y en a qui disent. Et justement, parce que là, je suis qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller ce matin. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, mon frère et ma femme, vraiment, ils sont très complices. Et dès qu'elle a un problème chez elle, elle appelle son beau, que je me dis à mon beau. Dès qu'elle a... Le problème, c'est où? Non, le problème, c'est où? Vous voyez pourquoi les crimes passionnels vont se multiplier dans ce pays. Franchement. Parce que c'est un homme va rentrer, savoir que l'enfant qu'il a son et quand c'est ton frère, c'est plus choquant. C'est plus choquant. Beaucoup plus. Quand c'est quelqu'un qui est extérieur à la famille, bon, vous ça peut arriver, ça peut se tolérer. Mais quand c'est ton frère, tu as envie de prendre tout de suite la matière. Vous savez comment régler ça? C'est impardonnable presque. Dans la tradition bantou, on règle ça comment? La femme qui l'a fait tue un coq. C'est-à-dire que la personne, le frère, surtout le cadet, qui a pris la femme de son frère aîné, apporte un coq et une petite plantain. La femme prépare, vous mangez ensemble. Les trois ou les deux? Les deux hommes mangent ensemble. Okay. La femme qui est à l'origine de cette prépare, vous mangez ensemble. Ça signifie quoi? C'est quoi la? C'est un problème civilisationnel. D'accord. Message. Ça veut dire que ne tue pas ton frère pour ta femme. Partagez-moi tous les deux. C'est tout. Oui. Allons-y. C'est ça, c'est déjà admis comme ça. En polyandrie, en pays ventre. Si vous avez des beaux frères qui vous collent trop. On ne peut pas promouvoir ça. Il faut créer des limites. Dès que ton frère commence à regarder ta femme bizarrement, vraiment, dis qu'il ne vient plus. Même les petits cadeaux. Oui, que la ça. Oui, même les cadeaux. Non, c'est pas après la famille. Le frère. Oui, même les cadeaux. Donc le frère de mon mari m'apporte un téléphone. Je ne prends pas. La civilisation était même encore beaucoup et allait plus loin. C'est-à-dire que le Nyandom, l'enfant de ta soeur, peut prendre ta femme. Tu n'as pas. Donc vous avez un téléphone en panne. Votre beau-frère vous apporte un téléphone. Vous ne prenez pas. Vous refusez. Ton mari est où? Il est là. C'est pas Non. Jamais, ça ne se fait pas. Ça veut dire que vous en tout cas. Ça veut dire que si le mari est là, vous ne prenez pas. Il est cadeau. Si le beau frère vous rationne, vous ne prenez pas. Il y a le beau frère qui rationne à la femme. Il envoie une fois. Si c'est de façon transparente, il n'y a pas de problème. Il donne à son frère. Il donne à son frère. Il donne à son frère. La façon transparente voudrait que quand tu donnes quelque chose à la femme de ton frère, tu donnes à ton frère, tu ne donnes pas à la femme. Non, voilà ce que Georges m'a dit. Il a c'est une éducation. Non, moi j'ai ça. J'avise même d'abord mon frère. J'ai un cadeau pour Stella, par exemple. J'ai un cadeau pour Stella. Je viens à la maison mardi. Il est d'abord informé. Donc, quand il voit le téléphone, il n'est pas surpris. Viens, comme on dit au quartier. Mais est-ce que Vakaché va dire que Donald est passé à la maison et il m'a gardé le téléphone? Non, notre civilisation. Non, parce que le fait de l'aviser, c'est d'abord prendre son sentiment. Comment est-ce qu'il perçoit ça? Parce que s'il est de la réserve. Tu peux arrêter parce qu'un cadeau peut être perçu comme un acte de convoitise. Donc, votre beau-frère, ça pollue l'atmosphère. Ça dépend. C'est un cadeau. Il y a des cadeaux qu'on ne donne pas. Oh. Donald Brice, c'est un problème civilisationnel. Vous l'analysez sous le prisme occidental. Essayez de vous projeter dans l'environnement de vos grands-parents. Vous n'avez pas à donner un cadeau au frère, à la femme de votre frère. Vous donnez au frère, c'est lui qui redonne à la femme. Mais ça dépend de chaque famille. Si par extraordinaire, vous êtes par exemple militaire ou quoi, vous êtes. Quand vous remettez, madame n'ouvre pas. Dès que vous venez dire, Donald Brice est passé, il a laissé 5000 francs pour les enfants. Vous remettez à l'homme. Oh. Voilà comment et le lendemain, il y aura ça. Si vous êtes là. Non, il te dit, prends l'argent que Donald a laissé. Tu peux plus que vous lui remettez. Vous lui dites que voici l'argent, voici le porc-pique que Donald était passé laisser pour ses enfants.
vous nous donnez à monsieur. C'est pour cette raison que nos mamans et nos grand-mères, quand elles faisaient un enfant avec quelqu'un, elles disaient. Parce que quand un enfant qui n'est pas du sang vient pleurer le deuil de son soi-disant père là, il peut avoir des conséquences. D'accord. Interpellation. Merci Nadine. C'est concernant la couverture géographique du réseau. Vu que je suis dans la ville de Douala, mais il y a des secteurs dans lesquels je me trouve où le débit est relativement bas par rapport à certains secteurs. Il y a des secteurs où, lorsque je me trouve, par exemple, je ne peux pas bosser en fait en tant que start-upper. Il y a une fonctionnalité qu'on est en train d'implémenter qui s'attraîne depuis 2 semaines à cause de la couverture de cette zone. Or, dans le centre-ville, par exemple, moi qui suis au centre-ville constamment, je suis constamment couvert. Donc il y a ce problème-là. Également, le problème de vitesse du débit qui est plus stable pendant la nuit et pendant la journée, c'est moins stable. Or, nous qui sommes mobiles, en fait, nous avons besoin de forfaits sans fil et illimités. Et ce n'est pas encore appliqué. La majorité des opérateurs, c'est déjà les forfaits limités et sans fil. Et cela nous freine parce que parfois, on a des gros téléchargements. On est obligé de rentrer peut-être au bureau, ou être à fibre optique, ou même aller peut-être dans certains endroits pour travailler. Et nous offre également, parce que le gros problème qu'on a, c'est le problème du débit. Du vrai débit en fait. Parce que c'est certains opérateurs où on paye 500 mégas, tout le monde se plaint de ça. Tu payes 500 mégas, tu fais 2 choses, après on dit que c'est fini par exemple. Or, tu n'as pas vraiment consommé 500 mégas. Enfin, parfois on s'interrogeait sur la rupture du réseau et tout. D'accord. Donald Wissamgan, sur cette difficulté aujourd'hui qui est propre à plus d'un Camerounais sur cette question-là en termes de simplement de débit qu'on pourrait avoir, c'est un problème posé par plus d'un, notamment à ces opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui au Cameroun. Oui, il pose là le problème du déploiement de notre infrastructure de fibre optique, qui est un sérieux problème. D'abord, ce secteur est un scandale parce que vous avez un opérateur public qui est concurrent au privé, aux et autres fournisseurs. Il est fournisseur et détaillant, il est grossiste et détaillant en même temps. Donc, au plan de la loi, et c'est tout à fait légal, c'est la loi qui le prévoit. Une loi qui est scandaleuse. Ensuite, Camtel, qui est l'entreprise publique du secteur qui existe donc pour le compte des pouvoirs publics, est un vaste scandale. Voilà une entreprise qui a un potentiel en termes de marché, de ressources humaines, techniques, qu'on subventionne chaque année, ainsi de suite, mais qui n'a pas de résultat. Qui est là depuis 1998 et qui a à peine, à peine 600 000 abonnés. Si les chiffres ont évolué, c'est autour d'un million. On est sur la téléphonie mobile. Nextel qui est arrivé hier, comme on dit au quartier. Et aujourd'hui, à 2 millions et demi, 3 millions d'abonnés. Camtel, qui a toutes les ressources nécessaires et tout ça, n'arrive pas à déployer parce que, on nomme les petits copains dans cette entreprise, on recrute les amis, les fils de ministres. On est simplement nous-mêmes à l'origine. Oui, bien sûr. C'est vraiment l'illustration de la gabégie, de l'incompétence, de l'incurie dans la gestion des entreprises, des entreprises publiques. Ce secteur, c'est un vrai scandale. Là, il parle de Douala, c'est-à-dire la capitale économique du Cameroun. Ce n'est pas Ngelmenduka ou Foundon dans le nord-ouest. C'est un vrai problème. Non, en réalité, parce que le propriétaire de l'entreprise n'a pas défini réellement les orientations de Camtel. S'il veut que Camtel soit fournisseur, on lui donne les moyens d'être fournisseur seulement. Si on veut qu'il soit concurrent, on crée un fournisseur, mais on ne peut pas lui donner les 2 statuts. C'est pour ça d'abord la mauvaise que lui-même se perd dans ses fonctions. Il se perd justement parce que ils ont, Camtel voudrait se déployer. En étant grossiste et détaillant, peut-être pour Camtel, c'est plutôt un avantage. Donc, voilà, c'est cela. C'est le propriétaire, c'est l'État. C'est qui n'arrive pas à lui permettre donner de se déployer. Non, il a une bonne autorité aussi. Non, justement, parce qu'à un moment, on lui interdit d'être concurrent des autres. Pour des intérêts particuliers. Je n'en sais rien. Oui, pour des intérêts particuliers. Particuliers de quoi?
C'est-à-dire que... Puisque c'est l'État qui régule, c'est l'État qui a créé l'agent de régulation des télécoms. Est-ce qu'il y a la régulation là? Voilà. Il n'y en a pas. C'est bon pour ça que je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'incurie. Il faudrait que l'État dise, je suis fournisseur, vous qui voulez investir, si vous pouvez même avoir un fichier de 10 millions, je veux qu'il y ait fluidité du réseau. À ce moment, on dit Camtel, donne-leur ce qu'il faut pour se déployer. Mais on dit à Camtel, donne un peu, toi-même essaye. Toi-même, ça ne se fait pas. D'accord, merci. Et vous avez un effectif pléthorique. Là, c'est les multinationales du secteur de la téléphonie, là, vous avez certains ont à peu près 300, moins de 300 employés. Hein, Camtel a 1000 et plus. Alors que le résultat n'est pas terrible. En termes de performance, vous voyez très bien que les autres privés ont des performances plus intéressantes. Et Camtel, qui a les moyens de l'État, subvention, n'a pas de résultats. Or, vous avez des gens là-bas qui ne servent à rien comme personnel. D'accord. Un des messages avant de se séparer, si la réalisation le permet, je crois. Voilà. Stéphane, depuis Ebola va, pour moi, ça ne change absolument rien. D'ailleurs, ma relation actuelle date de 2 ans et c'était la même chose. J'ai rencontré ma fiancée, on est passé à l'acte le même jour et aujourd'hui, elle est toujours à mes côtés. Elle est fiancée à moi et elle attend un bébé. Félicitations à vous. École de Pamela. Le dernier marché d'un bon moment. Oui. Alors, pour moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le plateau. La femme, c'est d'abord sa dignité. Une femme qui passe à l'acte le premier jour, alors au premier rendez-vous, pour moi, c'est une femme tout simplement facile. C'est parfait depuis Batoury qui nous envoie le message. Avant, c'était une garantie de passer à l'acte avec un homme après 3 ans, mais honnêtement, ça ne change rien. L'homme qui veut rester va rester même après une semaine. L'homme qui veut partir partira même après 10 années. C'est Rodrigue qui nous envoie le message depuis Biémassi. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent plus serrer leurs entrejambes. C'est difficile, il suffit de tout et de n'importe quoi pour qu'elles se livrent à vous. Les jeunes filles aujourd'hui ont de plus en plus faim. Alors, si je rencontre une femme et qu'elle s'ouvre à moi le premier jour, même si j'avais les ambitions de l'épouser, en ce moment, tout va changer dans ma tête parce que si elle le fait avec moi le premier jour, c'est possible qu'elle le fasse avec quelqu'un d'autre également le premier jour. Par conséquent, elle n'est pas faite pour moi, je passe à autre chose rapidement. Non, ça dépend. Non, si elle le fait alors pas deux ans après, ça veut dire que tous les 2 ans, elle fera... Voilà donc le mauvais raisonnement. Non, il a raison. Ça veut dire qu'elle a fait deux ans après. Bon, c'est vrai que c'est aussi pertinent ce que vous dites. Ça veut dire qu'avec tous les hommes, elle va faire 2 ans. Il y a les filles qu'on a interpellées. Elle ne s'arrête pas parce que vous ne lui plaisez pas. Okay. Il y a d'autres, dès que vous lui passez le moindre regard, elle est sensible. Mm-hmm. Parce que vous êtes le charisme qu'elle veut, l'habillement qu'elle veut et tout ça. Donc voilà. Ça suffit. C'est chaque fille qui apprécie. Dans tous les cas, faites l'amour et pas la guerre. Pas le premier jour. Bonne fête à tous et à chacun. Cette très belle célébration demain, cette fête de l'unité. Dans tous les cas, les éditions de journaux qui arrivent seront fortement meublées aussi par rapport à cela. Les images, vous les aurez aussi. On va donc remercier toute l'équipe technique. On dit bonjour à Zéphérin Grandioui, c'est le directeur de production, voilà, qui était donc des nôtres ce matin pour veiller à ce que tout se passe en bonne et due forme. Il est présent à son lieu de service. On va remercier Théophile à la caméra. On va remercier Nadine Wafo qui était également là à la réalisation au son. Carlos, il est là, Carlos. Non, c'est pas Carlos ce matin. Qui est au son alors? Théo, qui est au son? Tiana. Non, c'est pas Tiana, c'est... Qui est au son? Josiane, voilà, tout ça. C'est Josiane qui est au son. Donc on a une femme ce matin qui est au son. On lui dit bonjour et merci d'avoir été la nôtre. Bonjour.